Bonjour à tous, bienvenue sur Max25.be. On est aujourd'hui le 8 octobre au circuit de Spa-Francorchamps et on a essayé de joindre également l'utile à l'agréable à travers une incentive qui a lieu en même temps que le Rotary ici sur la région verviétoise. Donc ça nous a permis de quelque part se faire plaisir et d'apporter une petite touche, ne fût-ce même que modeste, à une incentive quand même très importante. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Guido Savi qui est le directeur des RST Spitaireus. Alors il faut savoir qu'ils sont partenaires avec nous depuis la première heure puisque le site RST local et spitaireuse.be fait partie de max25.be depuis le départ des incentives. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés M. Guido Savi, qui est le directeur justement ici pour représenter les deux entreprises. Alors pour vous, c'est la première réunion max25 ici, première réunion d'abord, ici au circuit de Spa-Francorchamps. Alors quel est votre compte rendu, quelle est votre conclusion en fait? C'est ma première expérience avec max25, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je pense que ça cadre tout à fait avec l'évolution du business model. Les entreprises, les grandes entreprises deviennent de plus en plus impersonnelles. Et je pense que les gens ont besoin de contact humain. Et donc, c'est très intéressant. Les gens sont très ouverts. On parle avec tout le monde et on crée des relations. Je crois que c'est une valeur ajoutée pour tout le monde. Alors, quels sont les objectifs marketing? C'est une petite question qu'on va quand même poser. L'objectif marketing RST Spitaireuse pour l'année 2014. Qu'est-ce qui pourrait sortir des cartons? Alors, pour Spitaireuse, l'objectif, c'est de devenir une référence sur le marché en termes de services et d'approche. Et déjà, les fournisseurs s'en rendent compte. On a un autre modèle d'approche. Donc, on s'inscrit dans l'évolution moderne du business automobile. RST, c'est de professionnaliser au maximum le secteur, l'activité de la location court terme. On a un secteur de la location court terme qui est en pleine croissance et il faut répondre à ça. Et RST se distingue par en fait une spécialisation sur les véhicules utilitaires. Alors voilà, donc la journée se termine maintenant tout doucement. On était 22 pour la petite information. Vous allez très certainement vous rendre compte sur la vidéo qui va arriver, le montage qui a été fait avec les partenaires dans la voiture. La voiture Max25 S60 qui a été chaussée d'ailleurs financée d'ailleurs par Spitaireuse. Aujourd'hui, on est revenu tous entiers. Donc apparemment, c'était le bon pneumatique. Bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous le 15 novembre pour le repas de fin d'année Max25 au domaine de Hautefagne, www.dhf.be. À bientôt. Merci.